تاني زهرة بركات. Monsieur le chef de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, monsieur Loualine, monsieur le président de cette région, honorable délégation, bienvenue. Bienvenue à Darat Safinet, merci de nous avoir consacré quelques minutes pour partager avec vous un projet d'un foncier attractif pour la région. Monsieur le chef de gouvernement, pour commencer cette présentation, nous nous référons naturellement aux orientations de Sa Majesté le Roi, qui a insisté sur l'Europe de l'investissement dans son discours de 2013 et qui a insisté sur l'Europe de la charte d'investissement, l'Europe de série, l'Europe de discours de 2020. Alors, monsieur le chef de gouvernement, honorable délégation, nous sommes dans une région riche, riche par sa culture ancestrale, riche par ses ressources naturelles abondantes, riche par son capital humain débordant. Donc, Darat Safinet est une terre d'opportunités puissant d'un potentiel de développement important, capable de contribuer significativement dans le sort économique des membres. Néanmoins, monsieur le chef de gouvernement, permettez-moi de partager avec vous quelques chiffres en rapport avec la dynamique de l'investissement au niveau de Darat Safinet. Cette dynamique constatée à travers le nombre et les projets qui ont été validés au niveau de la Commission régionale et du fonds d'investissement durant les années 2021-2022 sous la présidence du conseil de la région. Donc, à peu près 428 dossiers ont été approuvés avec un montant d'investissement dans l'ordre de 5,8 milliards de dirhams, pouvant générer 11 365 emplois. Monsieur le chef de gouvernement, par rapport à, en parallèle à ça, il y a la dynamique en fait, du secteur agricole grâce à l'injection de 7 milliards de dirhams d'investissement en tant que dans le cadre du programme Plan Maroc Vert, qui a permis de drainer quelque chose de 3,8 millions de dirhams d'investissement privé et qui a généré 12 millions de journées de travail au niveau de la région. Ce secteur agricole a impacté la dynamique du secteur agroalimentaire. En conjuguant avec ça la demande enregistrée au niveau du centre régional d'investissement, la demande des investisseurs exprimée par les investisseurs. Nous avons des demandes pour des unités de fabrication de panneaux photovoltaïques avec une surface de l'ordre de 5000 m². Nous avons des demandes sur des unités de production de sucre liquide dédiées et des dérivés de date avec une superficie de 10 000 m². Des demandes pour des outils de valorisation de date, d'emballage, de valorisation de pompe, ainsi de suite, le tout totalisant à peu près 211 200 m². Résumant ces demandes-là par province, donc nous avons une forte concentration au niveau de la Chine et de l'OZZ, et également la demande sur Minet, sur Kamura et Tinri. Donc, pour répondre à cette demande-là, le projet de zone industrielle au niveau des chefs-lieux de chaque province de la région, donc sur des, uniquement les premières tranches, on prévoit réaliser 10 hectares sur Rachidia, 10 hectares sur l'OZZ et sur Minet, et 5 hectares sur Tinri et Zagora. Le montant nécessaire pour réaliser ce projet-là est de l'ordre de 358 millions de dirhams. Alors, monsieur le chef de gouvernement, les 358 millions de dirhams d'investissement public ils vont nous permettre de drainer à l'horizon 2026 1,50 milliard de dirhams d'investissement privé. Donc nous sommes en parfaite adéquation avec les recommandations du nouveau modèle de développement, en parfaite adéquation avec notre feuille de route pour
l'effet de levier de l'ordre de 3. Donc l'investissement privé sur le total des investissements va réaliser moins de 25%. À terme, une fois les zones réalisées dans leur totalité, la part de l'investissement public elle sera de 20%. Naturellement, ces zones-là devraient répondre à des impératifs écologiques et d'environnement durable. Nos arguments en fait de commercialisation ou de vente de ces zones industrielles de la région sont naturellement la charte d'investissement. Mais à l'occasion, je félicite le gouvernement pour le travail accompli d'avoir fait sortir cette charte dans les délais et surtout par le caractère innovant et transgénérationnel de cette charte-là, parce que la plupart des provinces de la région vont bénéficier de cette prime territoriale de l'ordre de 15% et Oise-et-Loire va bénéficier d'une prime de 10%. Ajoutons à cela la prime sectorielle de l'ordre de 5%, ajoutons à cela comme argument de vente le Fonds régional d'appui à l'investissement qui est créé par le Conseil de la région et en concours avec M. Loël qui va permettre d'encourager les projets pour s'installer au niveau de la région. Ajoutons à cela, bien sûr, tout le site qu'on est en train de réaliser une série en votant les investisseurs des banques, le projet Atrophélie, portant sur plus de 70 projets au monde. En parallèlement à l'industriel, M. Chabou-Bordon, nous proposons une société de savoir à la Rachidière, au sujet de la Zélaïma. Pourquoi ? Parce qu'à l'horizon 2026, nous aurons plus de 10 000 lauréats sur le marché du travail à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous avons des demandes de la part d'un certain nombre de clients qui demandent des plaintes de bureaux aménagés. Et on n'en a pas, donc ils sont prêts à miser quelque chose comme 46 millions de dirhams pour créer 250 emplois. Donc on prévoit de travailler sur une surface initiale de 8 000 mètres carrés qui va nous permettre, avec un coût de 42 millions de dirhams, va nous permettre de créer 850 emplois. Donc là, les maquettes de ce projet-là. Voilà. Bon, un dernier mot par rapport au travail qu'on est en train de faire au niveau de la région, sous la supervision de Tsuboué et du Conseil de la région. C'est l'incubateur qui est en train aujourd'hui d'accompagner des porteurs de projets avec une volonté de créer, d'accompagner chaque année 500 porteurs de projets et créer 250 entreprises. Aujourd'hui, cet incubateur, il y a déjà 100 personnes qui sont là au niveau de l'incubateur de la Chibia. Celui de Zakoul est en cours, ceux de Oise-et-Zez, de Tsenbir et de Médel sont en cours d'études. Voilà, je vous remercie encore une fois, monsieur le chef du gouvernement. On aura une merci. كيف ما شفتوا معنا متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية عاجل وعلى المباشر لحظة وصول متابعي قناة شوف تي في لحظة وصول رئيس الحكومة عزيز أخنوش يصل في هذه الأثناء رفقة وفد وزاري لمركب ولاد الحاج للإشراف على حفل توقيع اتفاقية إنجاز مجموعة من المشاريع بالجهة. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات وأيضا متابعي قناة الشعب، نلقاكم في بث آخر وموضوع آخر بإذن الله.